Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon. Donc nous sommes toujours à Gare Terminal, dans Dessia, dans le système Dessia, là où il y a notre fameux ingénieur Felicity Farcir, pardon. Et donc nous avons deux missions, donc une qui se donne à Amuel Orbital, l'autre à Bones Gateway. J'ai pas envie de m'embêter avec deux stations différentes, cela dit. Amende en cas d'échec, équipement de survie 8, ça me donne combien que 8000 crédits, donc c'est pas rentable. Cela dit, il est possible que vous ayez affronté des sociétés, mais si votre mission est d'accord. Ok, alliage de phase, d'accord, destination, ok. Amuel Orbital, avant-poste, d'accord. Et là, Bones Gateway, alors on va juste aller voir vite fait, ça se trouve si c'est pas très très loin l'un de l'autre. Ça peut être intéressant. Est-ce que je peux voir la carte de la galaxie dans le coin? Jiwal, non, je peux pas. Carte de la galaxie, on va aller voir hein, quand même au cas où. Ici. Hop. C'est vraiment juste à côté. Crac. Carte du système, donc. Donc. Ici, on est donc à 62 SE. Tu t'es planté. Oh. Jeu. Carte du système, tu viens m'ouvrir. Jiwal, voilà, parfait. Donc nous avons point d'arrivée. D'accord, ok. Nous on cherche donc Way Station, amener l'orbital, point d'arrivée. 110 SL, c'est pas complètement terrible. Barbosa, Payne, Galudoc, et ici, Bones Gateway, 19000 SL. Donc, alors, on va... Putain, on va en prendre qu'une. Mieux vaut deux fois qu'une. Ok, donc on prend ça. Alors, il va nous accepter de nous la donner. Voilà, allez, voilà. Super puissance, d'accord, donc ils n'ont pas de super puissance les autres, ok. Est-ce qu'il y a d'autres qui va à Jiwal. Équipement de survie. Ah, Barbossa Orbital. Non, c'est loin aussi. Windrig, Zinka. Et enfin, ici, on a Windry aussi. Ok, tant pis. Bah écoutez, on va aller à Jiwal. On va aller rendre cette quête. Cette quéquette. Pour mémoire, c'était à Amuel Orbital. Voilà, tout à fait. Effectivement, c'est une quête qui va nous rapporter beaucoup moins de sous que la précédente. Mais bon, c'est comme ça. Oui, c'est bon, Charles A qui pète une durée. T'en avez-vous pour longtemps? J'ai des horaires à respecter, moi. Bah, écoute. Je ressors. C'est un problème, on peut se... Qu'est-ce que t'as comme Charles A comme... J'imagine que c'est lui qui a le killback. Vu la façon dont il insiste sur ses problèmes de temps, il doit avoir un vaisseau de transport. Le killback étant un peu plus à même de se défendre que le T7. Je précise aussi que depuis quelques jours, il y a sorti sur le shop, chers amis, pour le Cobra MK3, le Vulture et le Sidewinder, ce qu'ils appellent les ship kits, donc les kits de vaisseau, qui permettent en fait de modifier très légèrement via des détails l'apparence, enfin non légèrement ou non, l'apparence de votre vaisseau. Qu'est-ce que j'entends par là? Bah par exemple, plus de phares à l'avant, plus de choses sur les ailes par exemple, du Eagle. Enfin voilà, des petits détails qui se rajoutent en fait sur les vaisseaux, j'imagine via directement la... le système d'équipement, ou le système directement de stickers à moitié, vous savez, donc chez l'équipementier. Et donc ça modifie l'apparence de votre vaisseau dans le jeu. C'est rigolo, c'est vendu, je crois que c'est 10€. 10€ pour chaque vaisseau, donc pour l'instant il y a 30€ sur... bon voilà, mettre 10€ dans un jeu pour ça, pour ce petit vaisseau, ça ne m'intéressera pas. Par contre, si un jour un pack sort pour 3 ou 4 vaisseaux, pour un prix moindre que ce qu'il serait, hein, bah là par contre je serais peut-être un peu plus intéressé forcément. Mais bon, jusque là... Jusque là. Alors, on avait dit Amuel Orbital. Je l'ai loupé, oui elle est là. Hop. Bonne direction, mauvaise direction, pas trop mauvaise. Ça va. Hop, on y va.
Il se peut qu'on rencontre des attaques. Bon, pour 80 000 crédits, franchement, je sais pas pourquoi. Ah, on est monté au niveau de réputation major, on est 73%, pardon. C'est bon, donc on augmente, c'est parfait, ça, c'est que ça fonctionne. Ce qu'on fait fonctionne, chers amis. Génial. Génial, génial. Donc, pour mémoire... Hop. Pour mémoire, le rang nécessaire à l'obtention de... la Fédérale Corvette. Contre-amiral, qui est le rang 12. Le rang 12. Et actuellement, nous en sommes à Major. Major qui correspond... Alors, attendez, si je le trouve, tout ça. On va attendre de cette posée. C'est bon. Bon. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. 75 000 en plus, ça m'intéresse. On y va. Ah, ça va jouer à ça. Ah putain, je vais louper ma livraison à cause d'eux. Ah, les salauds. Les salauds. Vous m'avez fait louper une putain d'opportunité. Tout ça à cause d'un gros T9. Où tu es, maudit T9? Dégage de ma piste. Le voilà. Non, ça c'est un cobra. Puis-je me poser? Putain. C'est le T9 qui m'a empêché d'avoir mes sous. Je suis vexé. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On aurait pu avoir 75 000 de plus, ce qui aurait été plus qu'agréable. Mais non. Mais non, mais non. Popo, poro, pop. Mais non, mais non. Popo, poro. Mais non, mais non. Popo, poro, bou. Hop, en douceur. Hop. Hop. Voilà. Oh, tu m'as sélectionné le type 9 qui est encore dans le coin d'ailleurs, je comprends pas pourquoi. Service de spatioport, on va rendre la mission. Dommage qu'on ait pas eu les 75 000 supplémentaires. Véritablement dommage. Enfin bon. C'est un peu pute. Hein. Vous avez moins d'une minute pour rendre, sinon on vous donne. Si vous le rêvez, on vous donne 75 000 crédits. What? What the fuck? Mais c'est vrai que vous voyez, si j'aurais pas chipoté sur les trucs, voilà. Je m'en serais peut-être mieux sorti. Ok. Cordial, d'accord. Pourquoi pas, why not? Ici, de ce côté-là, on est resté au même point. J'ai eu l'impression qu'on avait eu un truc, cependant. G-Wall. Donc. Malayamata, G-Wall. Est-ce qu'on a du Desia? Pas loin. Rien pour Desia? C'est pas sympa. Bon, bah tant pis. Universal cartographique, est-ce que j'ai quelque chose à vous vendre, vous? Ouais, pour 10 000, bah écoute, on va prendre. Hein. On va prendre ravitaillement, tiens, passage, vu que je vous ai donné 10 000, vous avez bien me donné quelques... Hop, voilà. Pourquoi j'ai moins de cargaison? Ah, c'est parce que j'ai les métalliages sur moi, d'accord. Ok, oui, vendu. Pourquoi pas? Bah écoutez, on va se rendre à Desia, on va retourner à Desia, on va bien voir s'il y a une autre mission. Ou est-ce qu'on se rend à Thompson Dock avant, voir s'il y a des missions pour Desia. On va faire ça. On va faire ça.
Le système actuellement il est contrôlé par qui? Système G-Wall, ils en parlent pas. Carte du système, on va aller voir vite fait. Contrôlé par quelqu'un? Exploité par Lavini Duval, gouvernement démocratie, faction dirigeante, d'accord, ils sont économiques. Allégeance indépendante. Non, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut donc pas le coup. Ils sont bien sympas. On retourne à Dessia. Hop, décollé. On y retourne. Nous, l'objectif, c'est vraiment d'augmenter au niveau de la fédération. Je devais chercher. Je devais chercher, je vais le faire là pendant qu'on va partir. Hop. Les différents rangs. Hop. Verdict, nous sommes actuellement... J'aimerais bien trouver le wiki français, s'il vous plaît. Hop, on booste, crac. Rang des activités, rang des factions. Il nous faut le contre-amiral rang 12, nous sommes actuellement rang 6. Nous avons fait la moitié du chemin. Eh bien écoutez, il ne reste plus qu'une bonne grosse moitié à faire. Du 24 janvier dernier, c'est pas à jour du tout. Falloir que je sorte un tuto pour la fédération. Falloir que j'en trouve un. Merci. Hop. Farcir, c'est à 2000, donc c'est pas bon. AC Point, on a quand même quelques villes pas loin. On pourra peut-être en profiter, un de ces quatre, pour s'y poser. Elles sont tout autour en plus de commandes. Oui, on devrait, chers amis. Franchement, là, on a peut-être perdu des opportunités de se faire plus d'argent en passant par les différentes villes de la planète sur laquelle ils sont, sur la planète autour de laquelle Guerre et Terminal est en orbite, très précisément, voilà, pour faire une bonne suite de phrases. donc, oui, parce qu'on pourrait trouver d'autres missions en fait à partir de là. Après, oui, le problème étant de se poser sur chacune des planètes, c'est une vraie perte de temps, finalement. C'est une véritable perte de temps. Je baisse légèrement ma vitesse. Hop. Alors. Ça va être derrière à tous les coups. Oui, elle est derrière. Hop. Ça fait un petit peu de profil du coup. Voilà. On va attendre. Allez! Un peu plus vite. Oh, il est d'une lenteur. Allez! Oh, boost. Hop. Ok, hop, c'est bon. Parfait. Oh, mais tu vas pas réussir à me mettre devant une bonne fois pour toutes. Bon, moi j'ai rien sur moi qui soit illégal pour le coup. Ok. Non. Pourquoi j'ai une. D'accord. Ah oui, c'est quand je m'étais fait attaquer directement sur le... Hop. Hop. Aïe. Dommage. Je suis mauvais. Je suis complètement mauvais. Hop. Je suis mauvais, ils doivent se foutre tellement de ma gueule dans le truc. Mais bon, c'est pas grave. 22, là les flics, 22 c'est où? 22 c'est ça? C'est ça. D'accord.
Ok, bon. Faut vraiment que je m'entraîne avec ce flight assist. Ah oh, la vache, c'est chaud. Hop. Faudra que je trouve aussi un tuto pour l'entraînement au, au truc zéro. Ce serait sympa. Un atterrissage, oui, ce serait pas plus mal. Je suis pris dans dans ce que je dis, mais pas dans ce que je fais, c'est chiant. Hop. Ok, parfait. Hop. Parfait, on est bon. On est même complètement bon. On entre dans l'hangar, service de spatioport. On va récupérer nos sous. Bah non, ils nous ont donné, je crois. Ils nous les ont déjà donnés. Est-ce qu'on en a d'autres, des missions dans le coin? Est-ce qu'on en a d'autres, des missions dans le coin? Me redemande pas de donner des sous, s'il te plaît. Ça me ferait mal. Ça me ferait vraiment mal. Transmission rebelle. Pourriture de rebelle. Massacrer les vaisseaux de... Non. Hein? Des zones de conflit du système Dessia pour 1 million. Je comprends pas. Vingt-trois cibles, ça fait beaucoup malgré tout, tout seul. Dans les zones de conflit, ça fait peut-être un petit peu trop dangereux. Malaya Mata, ça fait combien? 41 000 crédits, ouais, c'est pas tip top. C'est le même type de mission que tout à l'heure. Transmission rebelle, ouais, mais ça sent le mauvais coup aussi. Le problème maintenant, c'est que maintenant j'ai des doutes. Zhang Fei. D'accord. Ok. Xinka encore. Ok. Bon, on a plein de choses à faire, mais pas de choses très intéressantes. Ok, un chasse prime pour une étude. D'accord, ok. Pour EG pilote. Nanana, pour les Blackbirds. Haha. Hop. Ils sont bientôt niveau 6. D'accord. Meilleur 100% radio. D'accord. Ok. Oui, bah, y a des trucs à faire. Hein. Ça se passe où dans le système Bjorti? On est loin? On est loin du système Bjorti? Ça peut être sympa un community goal. On en a jamais fait encore, il me semble. Bjorti. On va voir. Si c'est trop loin, flemme. Ça me semble un peu loin, effectivement. Combien de... Ah, mais tu vas me laisser aller. C'est pas excessivement loin. Mais j'ai pas envie de me... C'est du combat? Passons en contrebande des marges d'échange, des chargements de rush, d'aganib, de poussière de danse Giwen, des pistes de tarage, de plasma... D'accord, mais non, c'est de la contrebande. Alors ça, je suis désolé, je suis pas fan de la contrebande du tout. Alors là, je suis désolé, ça me plaît pas ce genre de tout, du tout ce genre de, comment, de gameplay. L'infiltration, c'est pas du tout mon type. Malheureusement. Donc désolé, ça ne m'intéresse pas, les amis. Hop. Eh bien écoutez, du coup, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Ne pas trouver le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yoop!